Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous raconter notre Tour de Belle-Île 2024. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une course où tu fais le tour de Belle-Île en partant de la Trinité-sur-Mer. Pour ce premier vendredi de mai, jour du briefing, le temps est plutôt beau. La dépression à 1003 hectopascal, qui est au nord de la péninsule ibérique, en entrée du golfe de Gascogne, avec le front chaud à l'avant, déjà qui apporte son eau de précipitation, et donc le front froid. Faire partir les bateaux dont la taille est inférieure à 8,50 m, c'est-à-dire que le bateau le plus petit de la flotte sera un Pogo 8,50 m, et ce qui représente à peu près une cinquantaine de bateaux. Et également de lancer tous les bateaux sur un parcours unique qui correspond au petit tour, parce que on considérait qu'avec le combo du nombre de bateaux et de l'instabilité de la météo, pouvait nous mettre dans une situation compliquée. Comment il se fait brasser le machin? Ça, dévente un peu la grand voile. La vitesse c'est où là, ici là? Quoi? Voilà. 4 nœuds, d'accord, on avance. C'était ma question. Il est bien stable. Ça ne voit toujours pas revenir. Non, bah c'est bon signe. Même actuel. Ouais, c'est tout blanc dans l'eau. C'est ça qu'on passait. Je suis le lys noir. Et tu lui donnes ouais, de l'eau, c'est va, tout. Il s'est remorqué, mais il va se remorquer. Il est dématé. Ouais, c'est le Pogo 850 ça.
Ouais, je disais à Martine, j'ai l'impression que le bateau il navigue mieux de ce côté-là. Oui. C'est parce que la réserve de bière est de ce côté-là. Ah. Donc c'est beaucoup plus loin. Ah voilà. C'est pas vrai, il n'y a même pas de réserve de bière. Si, j'en ai mis. J'en ai mis. Oui. Ah oui ? Il y a de la bière, oui. La vitesse là, on va pas se faire dépasser par le Bangor quand même comme ça hein. Oh voilà Martine, le Bangor et le drapeau, c'est tout bon hein. C'est tout beau ça. Comment il s'appelle déjà le bateau qui filait tout droit là tout à l'heure, le vieux devant là, le Lys Noir. Ah, bah, ouais, je pense qu'auprès. Il... Oh putain! Ça, c'était une vague! Non, c'est pas moi, je vous jure, monsieur, c'est pas moi qui ai fait ça! J'ai pas joué avec le saut! Bon, à vous les studios! Donc, lui, il est vachement haut avec les vols barons là. Ouais, et lui, il doit aller peut-être juste sur la bouée. Le vent, 25 nœuds en moyenne. La pluie persistante jusque le milieu d'après-midi. Passage des Béniguets. Alors dans la descente Belle-Île-Watt, Martine aura très légèrement augmenté l'avancion de poursuivant. Ensuite elle va passer la barre aux deux gars et donc nous on va perdre deux places qu'elle va être obligée de regagner dans la foulée quelques instants plus tard. Comité 25-260, Martine Auqueux en approche. J'ai trompé de côté. Là, il va repasser la ligne deuxième fois, j'ai tellement coupé. Bonjour, bonjour. Ouais. C'était bien Martine. Ouais, c'était bien. Il y avait des vagues. C'était musclé. Il y avait du vent. Oui, du vent. Il y avait des bateaux qui se rentraient dedans. Énormément de bateaux et nous on est rentrés dans personne parce qu'on a fait super bien notre parcours. Il y avait un bateau qui a dématé. Oui, un rouge. On va où demain? À Gruissant. Pour faire quoi? Le défi Wind. Défi Wind 2024. On y sera, mais pas en bateau, mais en... Jean-Chabouel, oui. Ou alors Stéphane, équipier sur Martine Auqueux, sera aussi en tant que windsurfer au défi Wind et il a un nouveau défi à nous partager. L'idée, c'était de créer une cagnotte où les gens puissent donner autour de ce qu'ils veulent pendant l'événement du défi Wind. Alors c'est une cagnotte, mais ok, mais une cagnotte pour quoi faire et qui c'est qui collecte, c'est toi perso ou c'est l'association mécénat? Alors quand vous allez sur la page web, vous arrivez sur le site officiel et chaque don que vous allez faire sur la page web sera comptabilisé sur la page que j'ai créée pour l'événement.
Est-ce que c'est la même chose, c'est la même association de mécénat que ce que fait Samantha Davis avec son IMOCA de course? Alors oui, c'est la même chose. Quel est l'objectif de cette collecte? Alors quand on atteint 12 000 euros sur une collecte mécénat sur l'angine cardiaque, on est officiellement parrain d'un enfant qui sera donc opéré. Ok, donc on vous remet le QR code qui vous emmènera vers le site de Stéphane. Et donc n'hésitez pas si vous voulez l'aider. Et donc le Défi Win 2024, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à bientôt.